Azimut 2017, départ plus une minute. Marseillais, quoi. Ah, ils vont le prendre, Eric. Vu de mes yeux. Ah, le ton rouge. Bah oui. Ouais, parce que j'ai vu qu'un plus bleu. Bon, chacun ses goûts. Bon, ok. De toute façon, Eric, il a dit qu'il y avait plein de sons à l'Orient. Une petite salade de poisson, cuisinée au petit soin. Sans arrêt. Sans arrêt, nickel. Parfaite, sans cigogne, tout ça, nickel. La difficulté de la course de large, quoi. Tu pourras refaire la même interview à 4h du mat. Attends. Morgan. Ouais Eric, le défi Azimut, ça te bute, ça te botte? J'ai une botte mouillée, ouais, c'est ça, ouais. Ça me botte, oui. Bon, c'était sympa, 24 heures de course, c'est pas fini en temps d'ailleurs. C'est pas fini, d'après ce que je... Il reste 2h20 de course, où on a la bagarre pour la deuxième place contre Généralis. C'est que là, on est au cœur de l'action, tu vois, Bilou, on est en train de s'arracher mètre par mètre pour... cette belle deuxième place, encore une fois, c'est une navigation de 24 heures bien disputée, comme à nos habitudes. Et puis bah, quand c'est disputé, on aime ça, donc ouais. La banane quoi. Bien briefé, Morgan a fait un super job, j'étais super content, j'apprends beaucoup pour le moment. Donc, c'est chouette, c'est super chouette. C'est chouette. Oh. Gâté au défi Azimut, hein. Escort de fin de régate, on a les copains qui sont venus nous retrouver avec les kites à Noël. Ça fait super plaisir, c'était magnifique à voir, ça fait bien envie. Et bah voilà, on en profite, hein. Le plaisir. Amis téléspectateurs, restez branchés parce que l'aventure ne fait que commencer. Ranger haute, grave. Bon, allez, puis... taquet Max.